J'en étais au moment où je présentais à Odin mon puits mystique de connaissance. En réalité, c'était un puits d'eau où avait macéré assez de champignons mystiques pour donner des visions à un dieu. Oh, il a été très impressionné. Je ne sais pas ce qu'il a vu, qui l'a poussé à vouloir s'arracher les yeux, mais j'ai réussi à l'arrêter avant qu'il n'y parvienne totalement. Je l'ai ensuite convaincu que c'était là un sacrifice qu'il avait fait afin d'accéder à une forme supérieure de clairvoyance, blablabla, etc., etc. J'ai un temps pensé qu'il y avait cru, mais le jour où il a pris mon œil, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais été dupe. Il savait que je m'étais joué de lui. Il a retenu la leçon et m'a engagé pour s'assurer que j'étais de son côté. Et pendant bien longtemps, ce fut le cas. Mais il ne m'a pas pardonné pour autant.